de droit de Paris, à la Sorbonne, et il n'est pas question que la décharge d'Itamboata voit le jour. Je suis venue passer 3 mois à Terramirim l'an dernier, près de Simões Filho, et j'ai été vraiment touchée par la pureté et la beauté de la nature de cet endroit, de ce bel espace. Il n'est pas question que l'eau et les forêts soient souillées par la décharge. Il n'est pas question que les gaz émis par les décharges puissent polluer l'air de ces endroits, laisser la terre tranquille, laisser les générations futures profiter d'une terre qu'on leur aura laissée propre et belle. Et voilà. Joignez-vous à nous pour signer la pétition contre cette décharge sur change.org.com et n'oubliez pas, soyez comme la terre, soyez généreux et le cœur ouvert.